crois. Du coup, hier, on n'est même pas sorti. On était trop fatigués. Du coup, on s'est dit qu'on allait sortir ce soir, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un centre commercial qui est à côté de la plage. En plus, il y a un Victoria's Secret là-bas. Voilà, vous-même, vous savez. Hein. Là, on va partir parce que j'ai fini de me préparer à toute... Bon, au final, on n'a pas pris le métro. Hein. On a pris le taxi parce que c'est 40 minutes, c'est ça? Le métro, c'est trop long, j'avoue. Et la flemme. On l'a dit en même temps. La flemme. You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a... On vient d'arriver, le centre commercial il est juste à côté de la plage. Genre là c'est la plage. Mais c'est trop beau. Il y a des palmiers partout et tout. C'est magnifique. Vous savez pas là comment je suis trop pressée. En plus j'ai trop faim. Ah, j'ai vraiment trop faim là. On est passé à côté d'un truc de crêpes et de gaufres. On voulait mourir. J'ai trop faim. Trop heureuse de vivre. Non j'en ai. J'aurais voulu de m'appeler Lady Gaga là. Il vient juste de m'appeler Lady Gaga, wesh. Mais alors Ava, qu'est-ce que tu vas choisir pour manger? Trop de choix. Là mes yeux ils pleurent. J'essaie de faire sécher. C'est en train de tuer mon maquillage. Ah, il y a des churros. Regarde comment c'est trop beau là. Alors là, s'il avait fait très beau, comment on serait même pas rentré en cours? On aurait trouvé un travail ici. N'importe où, j'aurais déjà ma mère. Hé, hey, je rentre plus, c'est bon, j'ai fini. Reste ici. Look at this. Have a look at this. I'm gonna look at this. Du coup, on va manger au McDo. J'ai pris des frites au fromage, des frites normales, des croquettes de poulet. Je sais pas comment ça s'appelle, des croquettes de poulet. Et un burger au poulet avec des oignons frits. Elle a pris des frites au fromage, bacon, des nuggets. Et voilà. C'est mon paradis là. Si ma mère voit ça, elle... Ah ouais, tu fais comme manger. Manger. Tu vas prendre quoi? Tu peux me prendre un petit peu... Non, celle là-bas, les petites fraises là. Tu vas en prendre 2-3, ouais. Ceux-là, ils sont trop bons. Elle dit j'ai bientôt m'arrêté, elle a vu 4 trucs devant moi qui me plaisaient là. Là, on va aller vers la plage. C'est trop beau parce qu'il y a des palmiers partout. J'aime trop. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Agua. J'adore. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Mais regardez ces fesses, c'est magnifique. Il a trop de talent. Aller en Espagne, moi qui ne voulais pas y aller. Pour la millième fois, je le dis.
fait trop beau. Par contre, le vent là, j'ai encore pleuré. Que fais-tu? Je suis là. I don't think you know this, but you're so predictable. C'est surtout moi qui vais tomber, wesh. Tu rigoles ou tu rigoles? Je rigole. Non mais déjà imagine tu tombes en filmant, mais je vais tellement rigoler, meuf. Ah non, vas-y, faut pas la poisse, s'il te plaît. Attends. Attention la vague. Là, on attend le taxi pour entrer à l'appart et se reposer avant ce soir, du coup on va le sortir. On va dans un truc à la plage qui s'appelle l'Opium. Marie m'a dit que c'était trop bien. Du coup voilà, là il y a le taxi, on va rentrer à l'appart. On mange mexicain ce soir. Elle a pris des frites au paprika avec des quesadillas, c'est à la quoi Marie? Poulet. Sauce guacamole. Moi j'ai pris des nachos avec un truc au poulet, je sais pas ce que c'est, poulet piquant. Et voilà. Bon, là, on va rentrer, hein, parce que la fatigue, elle est trop présente. On est fatigué. Du coup, ouais, là, on va prendre un taxi et on va rentrer à la maison. On a trouvé un miracle! Let's go à la maison! Voilà. Salut, on se retrouve pour le troisième jour du vlog. Donc là, on va aller manger puisqu'on a trop faim. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera shopping day. Hein. Shopping day et tourist day. Je sais pas où on va aller manger. Parce que là, je n'en peux plus. Même moi, en vrai, j'ai trop faim. J'ai tout ce que je trouve. J'ai envie d'un gros steak. Et tout. On mange trop de gras, regardez, carrément j'ai un bouton là, de gras. Ça c'est un bouton de gras ça. Il fait trop beau aujourd'hui. Ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon visage, ça fait du bien à mon humeur, à Marie aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Là quand j'y pense que demain on rentre, j'ai envie de pleurer en fait. Parce qu'en France, il fait trop froid à Skip. Du coup, on est venu manger au même resto qu'on a mangé. C'était quand? Dimanche soir. Ça s'appelle la Antigua Cabana. Genre, il y en a plusieurs parce que c'est pas le même que celui où on a été lundi. C'est une brasserie. Une brasserie-restaurant. Du coup, voilà. Et on a commandé. Là, on attend. Je vous montre après ce qu'on a pris. Donc, moi, j'ai pris une poitrine de bébé avec des frites. Et ça, je sais pas, ça doit être quoi. Elle a pris quoi, calamar à la plancha avec des frites et des légumes. On va aller chercher un dessert parce qu'on a encore faim. Ça nous a pas suffi du tout, du tout. Voilà. C'est là qu'on va prendre le goûter. Il y a plein de trucs, des pâtisseries et tout. Mais là, on regrette parce qu'on aurait, on a vu, il y avait des lasagnes, des trucs comme ça, genre des pâtes, des pizzas. On regrette trop d'avoir mangé au resto plutôt qu'ici. C'est trop mignon, regardez. Voilà ce qu'on a pris. Moi j'ai pris un muffin à la myrtille avec un croissant fourré à la crème. Elle, elle a pris un brownie, un truc au chocolat, je sais pas ce que c'est, et un chocolat et de l'eau. Tu arrêtes tes études pour ça? Qu'est-ce que tu dis? Elle est toute blanche. Why? Why so white? Parce que tu fais trop contraste avec moi. Donc on est de retour dans la même rue où on a été le premier, deuxième jour, c'est ça? Le deuxième jour. Donc let's go pour faire les magasins. La rue qui ressemble aux Champs-Élysées. Donc là c'est la maison de Gaudi. On dirait une grotte. Là, on va au Las Ramblas pour refaire les magasins qu'on avait vus. Du coup, oh, il y a encore un Zara. J'ai
Tu veux qu'on aille à celui-là ou alors? Ouais. Le Zara est magnifique. Ici, leur magasin, tout est beau. Même les petits magasins, ils sont magnifiques. Alors, en gros, sur la table, il y a deux pantalons. Regardez tout ce que j'ai acheté là. Faut que je dose. On est sur la Stromlas. Et on va essayer de trouver des cadeaux. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run. La boutique est trop trop belle. C'est trop beau. Tu me prends là, je me prends dans un cul. On est dans le taxi, on rentre à l'appart vite fait parce que Marie veut aller boire un verre après. On va vite fait poser nos affaires. Voilà, regardez, outfit, on voit mal. Go. On va aller boire un verre pour la dernière soirée. On va prendre le taxi là, à la recherche d'un taxi. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by. But I still. On marche, on vient d'arriver. Eh, hey, j'ai trop froid avec une veste en jean, c'est incroyable. On va rejoindre le pote de Marie dans un bar. Il s'appelle comment le bar? Je sais pas. Bon, on sait pas comment s'appelle le bar. Et la autre devait tenir. Donc j'ai pris un truc détox, Marie elle a pris un mojito 13. Ouais. Voilà pour me sentir bien dans ma tête vu tout ce que j'ai mangé pendant ce séjour. Voilà quoi. C'est que des fruits. Hein. On a fini. Là on va rentrer. On va commander à manger. Il faut qu'on fasse nos valises et tout, c'est pour ça. Voilà. Et on a trop trop faim. Je vous jure, c'est un truc de ouf. On a trop. Il est temps de rentrer. Oui. Je suis trop sad. Je suis trop triste. Back in Paris. Non, arrête. I don't want to go back home. C'était trop bien. Je vous jure, venez tous à Barcelone. C'est trop bien. Oh you, tell me how you behavior. Voilà, notre dernier repas officiel à Barcelone. Regardez-la. Carrément, elle est triste. Elle se mouche. Bon appétit. Voilà, on va partir. Marie, est-ce que t'es triste? On va à l'aéroport là parce que le vol il est à midi. On arrive en France à 14h. Du coup voilà, bah c'est la fin. C'était bien. J'espère que ces vlogs vous auront plu. Hein. Je vais essayer de filmer un petit peu genre dans l'avion et tout, mais je sais pas si je vais le faire parce que je suis fatiguée de ouf. Du coup voilà, bisous.